Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'équilibre. Donc je vais vous demander de vous munir d'un ballon ou d'un objet qui roule. À la rigueur, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, d'accord, ou une orange, ou ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, on va s'échauffer. Ensuite, je vais vous donner plein de petits exercices à faire avec plusieurs évolutions, d'accord. Donc, on va commencer tranquillement avec des oui. Une dizaine avec au début de petites amplitudes et après de grandes amplitudes si on peut. Si ça fait mal, on va pas trop loin. On va faire pareil que les noms. On va faire des noms. Donc pareil, petite amplitude. Ensuite, grande amplitude. On va venir faire un tour complet. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre sens. Pareil, vous le faites lentement. Si vous avez la tête qui tourne, on s'arrête. On va venir tranquillement hausser les épaules, les mains le long du corps. Voilà. On va venir enrouler les épaules. Change de sens. On va venir comme ceci, monter et descendre, on va échauffer un peu les genoux. Pareil, une dizaine de fois. Et on va même faire des petites rotations. Dans un sens, puis dans l'autre. Super. On va venir toucher le sol avec les deux mains en essayant de mettre la jambe derrière. Donc ça, c'est propre à chacun. Si vous pouvez mettre votre jambe tout en haut, vous le faites. Si vous pouvez à peine la décoller, vous la décollez à peine. D'accord? Donc on est en contrôle. Pour l'instant, on va faire 4 fois le mouvement en contrôle, 6 fois rapidement. Donc on fait ça 2 fois par jambe. Donc là, je suis en contrôle. Je serre la taille. Au début, je fixe un pont au loin. Et je descends tranquillement, tout en contrôle. Je viens poser mes deux mains. Quand je les ai posées, je reviens et je remonte. Bien entendu, je n'ai pas le souffle coupé. Je continue à respirer. Juste contracter les abdominaux, serrer la tête. D'accord? Encore une fois, tout en contrôle. Je prends mon temps, je descends, je fixe un point au loin. Et ensuite, je descends au fur et à mesure. J'ai touché avec les deux mains et je reviens. Voilà. Si vous voulez plus de difficultés, vous le faites sur une surface molle, comme moi. Si vous préférez que ce soit facile, vous avez des problèmes, vous faites sur du dur. Pareil, vous allez toucher. Hop, et vous revenez. D'accord? Selon votre niveau d'équilibre. C'est vous qui voyez. Ici. Et 4. Donc là, je vais essayer de les faire rapidement, les 6 dernières répétitions. Donc là, hop. 1. 2.
5. Je répète, pour ceux qui ne peuvent pas venir mettre le dos comme ceci, les jambes bien droites, vous pouvez très bien être proche du sol pour avoir une sécurité et être un peu plus rassuré. On ne demande pas de faire la planche, on travaille l'équilibre, on essaie de faire avec ce qu'on a.
et 3. Une répétition. Exercice. Donc là, on va passer sur une jambe. Le départ se fait les pieds face aux épaules, vers l'arrière épaule. On aura la balle. On va simplement venir la monter comme ceci. Et on va venir poser le pied et tendre les bras. D'accord ? Donc à la maison, on tape sur 10 secondes. 10 ou 15 secondes selon votre niveau. On essaie de tenir la posture. Je rentre le ventre, je serre la taille. Et j'essaie de garder le dos droit. Ensuite, je redescends. Je change de jambe. Pareil. Hop, la balle près du corps. Je viens chercher, je me place. Je tends. Je serre la taille, mais je ne suis pas en apnée. Et je relâche. D'accord ? Donc à chaque fois, on essaie de tenir 10 secondes. Et on essaie d'améliorer. Donc quand on passe de 10 secondes, on essaie de passer à 15. Voilà. On part pareil. J'essaie de passer à 15. Je vais compter 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je redescends. Je change de jambe. Je vais essayer de passer à 15 sur l'autre jambe. Vous avez une jambe qui est toujours plus faible que l'autre. Donc ça, c'est normal. Le but, c'est d'essayer d'avoir à peu près la même force dans les deux jambes. Très concentré, vous avez vu là, j'ai commencé à bouger parce que j'ai
pas forcément concentré dans les bonnes conditions. Monter, fixer un point loin, tranquillement, le tour de la taille, le tour de la tête, et je vais monter, je vais bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais reposer. Et encore une fois, je vais chercher au-dessus de ma tête et je viens bloquer. Donc là, je le fais en statique, mais on peut le faire en dynamique. Je vous proposerai peut-être dans une autre vidéo le même exercice, mais en dynamique, tout le long de la répétition. Là, au début, on est en dynamique, on monte tranquillement. Le tour de la taille, le tour de la tête, pour créer un petit déséquilibre. Ensuite, on vient se bloquer en haut. Mais il est possible de le faire en dynamique pendant tout l'exercice et même pendant qu'on compte. Voilà. Donc là, je vous montre à peu près tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 3 tours, 4 tours, une dizaine de répétitions pour chaque exercice, c'est pas mal. Il faut avoir du temps pour essayer de, comme je vous ai dit, pas aller vite, mais vraiment maîtriser le mouvement. Ça, c'est important. En termes d'étirement, tous les membres qui ont été sollicités, on va les étirer. C'est-à-dire qu'on étirera, bien entendu, tout ce qui est quadriceps. On travaillera encore un peu l'équilibre. Donc là, surtout le bas du corps. Donc là, une dizaine de secondes. Ensuite, on va venir ramener le genou devant, relâcher, pareil avec l'autre jambe. Relâcher, aller chercher devant. Les mollets, enfin les ischios, ensuite on fera les mollets. Les mollets, on les fera contre le mur, si vous avez un mur à la maison. Donc là, on va chercher derrière. Ensuite, à la maison, vous venez pousser et tirer. De chaque côté. Voilà. La séance, elle est terminée pour moi. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. Au revoir.